On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pika. Et on a acheté non pas un, non pas deux, non pas trois, mais quatre jeux dans, en une vidéo, en one shot. Alors, j'ai un jeu PS2, c'est un, alors j'ai deux jeux de course, un Uncharted et un GTA. Bah vous savez que les Uncharted, on a quoi? On a le 1, on a le 3. Ouais. Du coup, on a sûrement le 2. Oui. Alors, on va commencer par le jeu PS2. C'est Gran Turismo Concept 2002 Tokyo Genève. Alors, je l'ai vu, regardez, Retro Gaming, 3 euros. On l'a eu, mais il a fait un mais... screen. Ouais. Et du coup, j'ai demandé de un CD plus propre. Je vous mets l'image du CD que j'avais eu quand la toute première fois que j'ai acheté ça. Voilà, vous avez vu qu'il était ultra rayé. Et maintenant, je vais vous montrer. Regardez l'intérieur, il est complet avec le ticket dessus. Et le CD ne fait pas en loose. Attendez, la boîte elle était pétée déjà. Alors, regardez. Gran Turismo Concept, GTA 4 Liberty City, Race Driver Grid et Uncharted 2. Total 19,45 parce qu'on avait un compte EcoGamer. Regardez, il y a la notice et le jeu. Je vais vous montrer l'état. On a acheté des céréales aussi. On a eu un Xbox Pass. Regardez. Il est presque en parfait état. Juste une petite. On a eu la Xbox Pass. Non, TG. TG. On te le dira plus tard. Maintenant, on passe au jeu PS3. TG3, oui. Non. On passe maintenant au jeu PS3. On passe à Grid. Wallace Driver Grid, si vous voulez. 5 euros. On l'a déjà joué. On a déjà. Vous vous en souvenez en Speed Park? Ouais, à chaque journée Speed Park, on y jouait. Un joueur 2298 KO minimum, c'est 2,3 moins à peu près, 720p, fonctionnalité réseau et 12 joueurs. Il est complet aussi. Regardez, et la notice et tout. Regardez, je vais vous montrer. Moi j'aime ça quand ils font les jeux. Regardez, un art derrière. Disque en parfait état. Mais tais-toi! Hey, je suis pas dans la vidéo pour rien. Tu fais pas pop, sinon tu recommences. Ensuite, nous avons, je vous l'ai dit tout à l'heure, Uncharted 2, Among Thieves, l'original, parce qu'il y a le remaster sur la PS4. Ça a coûté pareil, 5 euros. Il est complet lui aussi. Par contre, là, regardez. Là, par contre, regardez, ça peut. On peut pas dire péter. Alors, ça prend 1 giga sur le disque dur. Complet. Encore un art derrière. C'est vu que c'est logique, c'est une exclusivité. PlayStation, n'est-ce pas? Ouais. Aucun art. Parfait état. Aucun multijoueur. Parfait état. Non local et non. Oups. Désolé, j'ai frappé la caméra exprès. Et nous avons le dernier jeu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un GTA. Et c'est GTA 4. Épisode from Liberty City. Bon, alors 7 euros. Par contre, regardez, j'ai vu un truc complètement what the fuck dedans. Regardez. Il y a le code et la notice de GTA 5 dans le GTA 4 épisode from Liberty City. Par contre, on est obligé d'avoir le CD. Du coup, il y a le code. C'est pas grave si je vous montre parce que je vais l'utiliser avant de poster la vidéo. Regardez, il y a la map. Attendez, je vais essayer de la déplier. Derrière, je crois qu'il y a un poster. Parce que je vois quelque chose. Regardez, la map. Elle n'est pas si grande. Wouah! Quand même, regardez la map. Et derrière, il y a quelque chose. Regarde la map, légende, Liberty City Underground. Et derrière, nous avons un petit poster. Une femme. On va replier ça. Replier la map. C'est toujours une femme dans GTA. C'est pas moi qui décide. Hein, c'est Rockstar qui décide. Mais c'est bien, on a une map, c'est la première fois qu'on obtient une map dans quand on achète un GTA. Non mais la map elle est franchement hyper grande. Pas hyper grande mais quand même. C'est le truc qui est grand. Ouais, la feuille qui est grande. Voilà, j'ai remis la map. Et nous avons la notice. Je sais pas, c'est une page de garde bizarre pour la notice pour moi.
Il y a deux jeux dedans. Ah, regardez. Regardez, j'ai vu quelque chose. Il y a une petite pub pour Red Dead Redemption. Précommandé aujourd'hui. Ça, c'était en 2010. Alors, précommandé. Elle est où la map? Maintenant, ah bon, elle est là-bas. Je la mettrai plus tard. Allez. L'état, il est parfait. J'ai vu que ça prend presque 3 gigas sur disque dur, ça. Regardez. Regardez. Regardez, un joueur, 2864. Par contre, c'est du 1080p Full HD. Le grid, on peut jouer à deux? Non. C'est seul? Ouais. Même en ligne. Moi j'aime bien quand même, mais moi je préfère être bleu personnellement. On va faire un tour vite, on va voir si ça fonctionne parfaitement. Appuyer sur triangle. Bah, je saigne de partout. Ah, un flingue. C'est vrai, R2. Ah, triangle. C'est vrai. Ah, il faut tirer sur. Je crois qu'il faut tirer dessus. Évidemment, il y a une chaîne. Évidemment. Je connais L1 et R2. L1 égale visée. Par contre là c'est R2 pour charger sur les Uncharted, je trouve ça assez chiant. Carré, c'est pourquoi. Il est vivant. C'est un bon ça. Car là c'est du vent. Le karma. Que j'aime moins un checkpoint, s'il vous plaît. Allez, R2. Essaye. Ouais. Ouais, c'est bien. Ça ressemble trop au grid sur arcade. Ça ressemble trop. Attends, je vais voir si on voit bien. Oui, c'est bon. Oh, ça glisse. Est-ce que tu trouves que les graphismes sont stylés sur PS3? Oui et non? Non, rond, 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 rond. Start. Continuez. Mais ça glisse. Mais les jeux de course modernes, c'est comme ça maintenant. Dès 2006-2007, à partir de la génération PS3 360, c'est comme ça. Pourquoi j'ai l'impression que mon compteur là il est en mal, je changerai ça plus tard. Mais je sais que 182 miles, ouais, je sais que 182 miles, ça fait 300 km/h. Gianni Marcello est en toute première position. Qu'est-ce que t'en penses des graphismes? Tu l'as toujours pas dit. C'est bon. Ils sont même trop bons, on dirait la PS4 carrément, non? Si. Ok Clément, votre voiture est un peu cabossée, mais il n'y a rien de mal. Moi j'aime bien qu'on m'appelle Clément aussi, même si c'est pas mon nom. Je vous le dirai, plus tard mon prénom. Dans une vidéo sur les secrets. Hey, laisse passer. What the fuck? Ben c'est normal, tu les ai mis en simple. Ah, t'es allé à 299 km/h. Voilà, tu te fais de mon pote. Hein. Mais j'ai de la triche aussi. Pour une course tout terrain, vieux résultat, vous avez endommagé votre voiture.
t'entends ce que le mec il dit. Il dit, vous avez endommagé votre voiture. Il n'y a plus de fail. On peut même pas se remettre sur la route. Non, c'est dommage. C'est où? C'est où? Par là. Tu te débrouilles comme un noob. Ouais, c'est bon. Vas-y, joue, tu vas voir. Non, toi, joue. Moi, je suis beaucoup mieux que toi, hein, parce que... Ta gueule. Sinon, je t'appelle imbécile. C'est toi, l'imbécile. C'est toi. Hé hey. Je suis pas une pute. Et je peux pas l'être, déjà. Je peux pas être invisible. Je t'encule. Non. Imaginez si j'avais 6 étoiles dès que je faisais ça. Alors là. Pfff. L'étoile est bleue. Hein? L'étoile? Non, elle est grise. Comme dans le GTA 4 classique. Voilà, bah c'est simple de se chapper de la zone. Si je pète ma voiture, c'est aussi mission ratée. Quoi? Bon, c'est assez simple de semer les flics. Faut juste rouler. À une étoile, c'est hyper simple. Bash unit front. Allez, presque. Allez, mon pépère. Allez, mon pépère. Nice. Ah, faut que je fasse demi-tour, c'est ça. Bon, j'étais obligé de continuer tout droit parce que sinon, arrêtez. Voilà, busted. Viens, la voiture en fait. Toi, on s'en fout, t'as la gueule, le flic. T'as dit quoi? Ah! Merde! What? Il m'a pas vu? What the fuck? Il m'a même pas vu alors que je lui ai fait faire un tonneau! What? Est-ce que toi t'arriverais à faire ça? À faire ce. Bah voilà, on a glitch. En même temps, on teste le jeu en même temps là. Comme vous l'avez vu, on l'a glitch. Merci d'avoir regardé sa vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, laissez le like, commentez, partagez la vidéo. Et vous désabonnez pas de swag, ni de moi. Si vous désabonnez-vous de swag, vous désabonnez-vous de lui. Non, surtout pas. Parce que mon objectif, comme vous pouvez le voir, comme vous avez vu, sur la, vous voyez à chaque intro de vidéo, au moins 250 000 abonnés. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir. Tchou.